Mounaya, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Je suis en pleine forme. Merci d'accepter ce rendez-vous très, très, très matinal. alors, si tu es là, c'est aussi parce qu'on veut te connaître, Mounaya, on veut savoir qui tu es. Et au-delà de ça, bah, je vais te donner tu me dis un petit CV comme ça en 2-3 minutes. Qui es-tu, Mounaya? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mounaya. J'ai 23 ans et je suis donc en alternance chez Orange, dans le cadre de mon master 1 en communication et publicité. Et j'ai donc intégré l'équipation. Ça, bravo. Le matin. C'est clair. Voilà, le matin. J'ai intégré l'équipe transfo du groupe depuis octobre. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis un peu approprié Manao. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Manao. Voilà. C'est super. Alternant depuis octobre, ça veut dire que tu arrives dans une période où on se voit très peu. Mais comment ça s'est passé avec tes collègues, l'intégration? Bah, on s'est vu bah, juste le mois d'octobre, ensuite on a été confinés. Ça aurait pu être vraiment très très compliqué, mais ça s'est très bien passé dans le sens où bah, avec les points réguliers, etc., il y avait toujours un contact avec l'équipe et tout le monde était très présent, donc c'était super cool. Ok. Manao aujourd'hui, alors si je regarde, on est à plus de 24 000. Comment on va dire ça? C'est pas des abonnés, c'est des manoïtes, comme on les appelle. Voilà, Oui. mais ça veut dire qu'il y a une marge de progression parce que chez Orange, on est 90 000, on est voire même 150 000 dans le groupe. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'y sont pas encore, qui ont reçu le SMS de Stéphane Richard, mais qui n'ont pas cliqué pour installer l'application? Qu'est-ce que tu leur dirais pour dire, bah les gars, venez, venez, on va. Venez, venez. Pourquoi Manao? Qu'est-ce que c'est Manao? Alors, ben déjà, qu'est-ce que vous attendez pour la télécharger? Du coup, Manao, c'est le réseau social interne d'Orange. Donc, qui a été créé par les salariés pour les salariés. Voilà. ensuite, Manao, c'est vraiment, on retrouve plusieurs fonctionnalités ben, d'un réseau social en général. Hein. Donc, il y a un fil d'actualité où on retrouve toutes les nouveautés d'Orange, les actus auxquelles on peut passer à côté. Donc, moi, je sais quand je suis arrivée, c'était très, très important pour moi de, ben, de m'approprier un peu. Les actualités de l'entreprise et de savoir un peu ce qui se passait. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc, et en fait, quand tu te connectes sur l'application, ce qui est génial, c'est que tu as tout de suite des tests de personnalité. Donc c'est des tests confidentiels qui te permettent de faire ressortir une partie de ta personnalité. Donc moi, par exemple, j'ai eu la créativité, la flexibilité. On va réussir, la flexibilité. Du coup, tu peux les mettre en avant sur ta bio. Parce que du coup, tu remplis ensuite ta biographie avec ta photo. Tu as trois petits. Comment dire? Bon, Trois petits. des onglets, non? Des paragraphes, on va dire. Hashtag, ouais, des petits onglets. Voilà, des petits paragraphes à remplir. Voilà, c'est un. Tu peux mettre un petit peu ton mini CV dessus. Parce que justement, ce qui est bien aussi sur Manao, c'est qu'il y a un petit map, donc le matching professionnel. Donc grâce au test que tu as rempli et à ta bio qui sera aussi remplie, tu peux matcher avec d'autres collègues d'Orange à travers le monde. C'est super bien. Donc tu as deux niveaux de matching. Donc, tu as les good vibes et les super feelings. Donc, les super feelings, c'est ceux avec qui tu as eu le plus de points en commun dans les questions. Donc, vos réponses sont un peu semblables. Les good vibes, c'est ceux avec qui tu as un peu moins de choses en commun. Donc, je trouve ça super intéressant. Et puis, même si tu as besoin de. Oui, pardon. Oui, j'allais te dire que si par exemple, parce que tu me dis qu'il faut répondre à un questionnaire, ah, mais si moi je suis un petit peu frileux au fait de donner des caractéristiques à Manao, on ne sait jamais ce qui peut tomber dessus, qu'est-ce qu'on va faire avec. Tu vois, si par exemple je dis ouais, j'aime bien le désordre, peut-être qu'un jour un recruteur va dire oh là là, lui il aime le désordre, je ne le prends pas. Bah justement, c'est totalement confidentiel et ça reste dans le serveur d'Orange. Donc il n'y a pas faut pas flipper. Ça reste chez nous.
Ok, bah écoute, c'est bien. Salut Marco, comment vas-tu? Flavien qui nous dit qu'il est de Clermont-Ferrand. Ok, je note Clermont-Ferrand pour Flavien, Eric de Nancy, Marco de Paris. Mounaïa, toutes les semaines, Manao nous fait un petit résumé de ce qui s'y passe dans cette application. Et ben comme les mardis, ben, je te propose qu'on regarde le résumé, le dernier résumé qui est sorti hier. À tout de suite. Yes, là on vient de voir le petit résumé avec le fil d'actualité très, on va dire très très animé. Toi dans l'équipe de Manao, qu'est-ce que tu as, en gros, qu'est-ce que tu fais comme activité sur Manao? Alors, moi, je m'occupe de l'animation des étableurs. Donc, les étableurs, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est des salariés volontaires d'Orange, qui volontairement, voilà, vont accompagner leurs collègues sur la prise en main des outils digitaux. Donc, si par exemple, vous avez du mal avec le pack office ou même vous voulez découvrir ce que c'est Twitter, comment on communique dessus, Et ben, les étableurs sont là pour vous accompagner à travers des ateliers sur site ou à distance. Mais bon, en ce moment, c'est plus en distanciel parce que voilà, le contexte fait que. Du coup, sur Manao, moi, je mets en avant les ateliers à venir. Donc, si vous souhaitez avoir un accompagnement, suivez-moi, Naya. Ok, Voilà. on mettra ton arrobase pour que les gens te suivent. Donc tu es en alternance, tu as Exact. une alternance de 2 ans? Oui, je suis là jusqu'à l'année prochaine. D'accord. Et dans tes prévisions, c'est quoi le next step pour toi une fois que tu auras fini cette alternance et bien sûr obtenu brillamment ton diplôme? J'espère déjà. Alors, j'ai deux options. Soit je rentre chez moi, donc à Mayotte, et voilà, on s'insère dans le monde professionnel. Mais je pense que je vais voyager. D'accord, bah Je écoute. vais d'abord un petit peu voyager avant de rentrer à la maison. Ouais, ça c'est bien ça. Tous les jeunes aujourd'hui, je sais que ma fille m'a dit, ouais, moi je vais me prendre un an sabbatique, je vais visiter le monde. J'ai dit, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. On a oublié de le dire, tu es de Mayotte. Mayotte où on a notre ami Anis, qui sera là pour la fête de la musique. La fête de la musique, ce qui sera donc lundi. Je sais qu'il y a quelque chose de prévu sur Manao. Tu peux m'en dire 2 mots, de ce qui est prévu sur Manao pour la fête de la musique? Si tu le sais. Ah, alors, petite surprise. Ah ouais, d'accord. Ah, il y aura des surprises, tu ne veux pas me dire. D'accord. Ah. Justement, téléchargez l'application et vous saurez. Ah ben voilà, mais ça c'est du bon teasing ça. Tu veux savoir ce qui va se passer. Le 21 juin, télécharge l'application. Ben c'est super. Ben tiens, tu vois, en plus, je parle de toi, on parle de Mayotte, et ben voilà, il y a Anis qui est là. Ah, oh, mais c'est un truc de dingue ça. Une Mahoraise en direct et une Mahoraise en plus à Mayotte, là, il y a 2 heures de plus, là. C'est-à-dire qu'à Mayotte, il est Non, là, il y a 1 heure. 1 heure seulement? Ok. Bah Ouais, on écoute, est passé en heure d'été. Anis, je te fais de gros gros bisous. Bah écoute, bah voilà, vous êtes en relation, Anis et toi? Non, bah pas encore, du coup. Ah bah écoute, Anis, une très très grande chanteuse, hein, que tu auras l'occasion de voir sur la CDZ. Voilà. Ok, pas de souci. Je te remercie pour avoir été là. Écoute, une petite question subsidiaire. Bon, presque je connais la réponse. Est-ce que tu es célibataire? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je te demandais si tu étais célibataire. Allô? Elle est trop forte! Elle est trop forte!
Alors, là, tu m'as eu. Elle est trop, trop forte. Écoute, Mouna, je te souhaite une excellente journée. Ben, on se retrouve très bientôt. Elle est Merci. trop forte. Là, on ne me l'a jamais fait. Là, c'est au top. À très, très bientôt. Et puis, bonne journée à toi. Et puis, bon vent sur Manao. Bye bye. Merci à vous aussi. Salut.